Salut les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir comment ouvrir une application avec son empreinte digitale. Vous savez que Android donne la possibilité de créer jusqu'à 5 empreintes digitales. Donc vous pouvez créer une empreinte digitale pour déverrouiller votre téléphone et créer une autre pour ouvrir vos applications. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc si vous voulez savoir, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification et likez la vidéo. Donc d'abord, je vais aller vous montrer un exemple avant de commencer le tutoriel. Donc je vais verrouiller le téléphone et faire un exemple pour vous montrer pour ouvrir l'application YouTube. Donc pour cela, je vais verrouiller le téléphone. Donc maintenant le téléphone est verrouillé, donc quand je mets mon empreinte digitale net, vous voyez, ça ouvre l'application YouTube directement. Donc ça veut dire que j'ai pas besoin de cliquer sur YouTube. Donc il suffit tout simplement d'utiliser l'empreinte digitale pour l'ouvrir. Donc maintenant on va passer à l'action. Pour le faire, vous devrez aller sur paramètres. Vous n'avez pas besoin d'une application. Tout se passe dans les paramètres. Vous n'avez pas besoin d'une connexion internet aussi. Donc on va aller dans les paramètres, on clique sur paramètres maintenant et on attend. Maintenant à partir d'ici, il y a d'autres téléphones, vous allez trouver où on met empreinte digitale. Donc mais dans mon téléphone c'est pas le cas. Dans mon téléphone non, c'est la partie sécurité, localisation. Dans votre téléphone, c'est à vous de chercher. Donc maintenant je clique sur sécurité. Après avoir cliqué dessus, maintenant on regarde ici, on dit empreinte digitale. Donc vous voyez, on dit trois empreintes digitales configurées. Donc je clique sur empreinte digitale. Maintenant gestion des empreintes. Maintenant, après avoir cliqué dessus, vous me demandez mon code PIN 40 0. Voilà, après avoir fait cela, maintenant on dit de créer des empreintes digitales. Donc là maintenant vous voyez doigt 1 déverrouillage uniquement. Maintenant regardez doigt 3, on dit déverrouiller et ouvrir YouTube. Donc ça veut dire que j'ai configuré pour ouvrir avec l'application YouTube. Donc si j'utilise mon doigt l'annulaire, je peux ouvrir l'application YouTube sans cliquer sur l'application. Donc on va créer une empreinte pour ouvrir une autre application. Donc vous pouvez faire pour déverrouillage uniquement doigt 1. Maintenant doigt 2, vous pouvez prendre pour choisir une application. Donc on va aller dans créer des empreintes digitales. Donc je clique dessus. Maintenant on me dit de placer mon empreinte, donc je prends l'annuler. Je réussis. Voilà, vous voyez, on doit configurer. Après avoir configuré, donc je clique sur terminer. Après avoir cliqué sur terminer, on dit déverrouillage uniquement. Donc je clique sur le petit doigt ici. Après avoir cliqué dessus, ils vont m'envoyer les applications de mon téléphone et j'ai choisi l'application que je veux. En même temps que j'ai déverrouillé le téléphone, j'ouvre cette application avec le doigt. Donc je peux prendre par exemple Chrome. Bon, je prends Chrome ou soit on va choisir. Bon, Chrome est mieux. On va prendre l'application Chrome. Donc je coche Chrome et je clique ici. Maintenant fini. Après avoir cliqué dessus, on dit déverrouillage et ouvrir Chrome. Donc on va aller essayer. On fait retour et on efface tout. Maintenant on va verrouiller le téléphone et on va voir si ça va marcher. Donc je verrouille le téléphone. Et ici, à partir d'ici maintenant, je vais essayer de déverrouiller le téléphone avec l'annuler pour voir si ça va ouvrir l'application Chrome vraiment.
Oui, l'application Chrome. Ça ouvre l'application directement. Vous voyez, ici sur Chrome. Vous voyez, j'ai pas besoin de cliquer sur l'application Chrome pour l'ouvrir. Si je verrouille le téléphone et que je mets mon empreinte directement, ça ouvre l'application Chrome. Vous voyez.